Des missions délégation Commission l'océan Indien à Madagascar, c'est pour faire premier contact avec son nouveau gouvernement transition et évaluer comment il y a quelque chose qui peut dérouler dans sa pays pour être plus bien capable d'accompagner l'île. Ça t'est suivant une rencontre conseil ban ministre qui s'est fait en octobre, côté Commission l'océan Indien qui prend décision pour continuer à accompagner Madagascar pendant sa période. Pendant sa déjour, ministre pour affaires étrangères Jean-Paul Adam, comment président de la Commission l'océan Indien, si grand sens joindre l'autorité concernée et plusieurs ministres du gouvernement sortis différents partis ou mouvements politiques. Et l'objectif clé, sa mission, c'est pour évaluer à qui point Madagascar peut implémenter feuille de route qui s'adapte si en septembre, qui pour amener sa pays vers l'élection. Dans la feuille de route qui a été signée en septembre 2011, il a dit qu'il y a un premier ministre consensuel qui a été établi en novembre et qu'un nouveau gouvernement qui a été établi le 17 novembre plus tard. Sa date le 17 novembre n'est pas capable de respecter à cause de gagner certaines difficultés entre les autres pour capable former ce gouvernement, mais éventuellement tu gagnes former le 21. Alors, dans nos visites, nous sommes capables de joindre premier ministre consensuel et aussi tous les différents ministres, pas tous, mais la plupart des ministres dans différents gouvernements. Le ministre Adam dit qu'ils ont été capables de constater que malgré beaucoup de tensions là-bas, il y a un seul envie de sortir du code public et du pouvoir politique pour sortir de sa crise. Il a ajouté qu'il est très important que ce nouveau gouvernement transition suive l'étape feuille de route pour qu'il y ait une élection crédible et balancée. La commission électorale, pour le moment, n'a pas ces moyens pour capable faire une élection libre et crédible, lit tout seul. Il est très important pour gagner support COI, qui COI déjà dans le Conseil ministre, vote un budget. Mais nous pouvons aussi travailler avec les autres partenaires, par exemple, pour augmenter le salaire. Il peut aussi avoir un support clair des Nations Unies, qui ont déjà déclaré qu'ils ont même été impliqués dans l'organisation de sa élection. Même si sa gouvernement insulte sa première étape feuille de route qui est plus importante, date pour l'élection pour pouvoir fixer. Malgré ça, COI indique que Madagascar perd dans une bonne direction. À la fin de sa mission, COI fait certaines recommandations pour qu'il s'en processus si le plus bien possible. Parmi ces bonnes recommandations, j'ai demandé que toutes sanctions contre Madagascar soient levées et que le comité international y aide à appuyer Madagascar. Sa mission est très encourageante à cause de Madagascar est important pour la zone de l'océan Indien. Il est important pour cesser à cause de l'État, il y a un manque de stabilité de la région, il affecte nous aussi. Et il affecte nos habilités pour nous, par exemple, réduire le prix de la vie. Qui Madagascar, il y a un partenaire potentiel pour produire manger pour toute la région de l'océan Indien. Et tant que la stabilité n'est pas encore venue à Madagascar, il est difficile pour nous développer sa qualité posée. Le ministre Adam dit qu'ils ont réussi l'objectif de sa mission et ils ont estimé que malgré la différence d'opinion, sa gouvernement est dans une bonne position pour assurer la transition jusqu'à